Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre encore cette semaine de Noël autour de coloriages d'hiver, de Noël, de fêtes. Je reviens donc sur ce coloriage-là que j'avais commencé pour le vlog précédent. Donc on est dans le Fairy Tales de Emily Lidl-Auberg. Je peux pas trop bouger parce que c'est encore en train de sécher. Et j'ai donc terminé la maison au graphitite. J'ai utilisé mon encre dorée Colorex, toujours la même. Et je rachèterai encore et encore la même. Et n'oubliez pas que l'encre dorée Colorex, elle se redilue à l'eau. Contrairement à la blanche que moi, j'arrive pas à rediluer. Voilà pour l'encre dorée. Pour le fond, alors pour le ciel. J'ai utilisé trois aquarelles métallisées et interférences de Van Gogh. Moi, je possède cette palette-là de Van Gogh. À gauche, ce sont que des aquarelles métallisées et à droite, c'est des aquarelles interférences. Sur du papier noir, elle se voit mieux. Et c'est en fait une couleur qui va être par exemple rose et puis ça va briller vert. Voilà, c'est des couleurs qui sont colorées mais très 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 pâles et qui vont briller d'une autre couleur quand on va les mettre à la lumière. Voilà, pour cette palette qui vaut environ 30-35 euros, vous pouvez la retrouver dans ma boutique Amazon. Tout ce que je présente à chaque fois dans mes vlogs, vous pouvez retrouver dans ma boutique Amazon. Et voilà, j'ai utilisé les gris métallisés pour faire les nuages et je l'adore. Donc moi j'aime bien l'utiliser sur du blanc parce que ça reste discret. Quand on a quelque chose de très imposant, je trouve, au niveau des couleurs, j'aime beaucoup utiliser mon aquarelle interférence pour faire quelque chose de plus délicat parce qu'on n'a pas tout le temps envie que ce soit très foncé, très voyant. Et j'essaye de changer un petit peu comme ça. J'ai fait l'œil doré de l'oiseau aussi. Et pour la neige, par contre, pour la neige, pour le côté nacré, c'est totalement autre chose. J'ai utilisé ma première palette d'aquarelle nacrée de chez Action. J'ai utilisé le bleu ciel qui est ici. Et puis ça marche très très bien. Hein. Vraiment, ça marche très très bien. Et là, j'attends que ça sèche. Parce que là, je voulais faire en fait un effet de neige ici. Donc j'attends vraiment que ça sèche. Je vais mettre de l'encre blanche Colorex. Et je vais peut-être utiliser ma neige structurée pailletée. On verra parce qu'en fait, j'ai déjà fait le coloriage qui est derrière. Voilà, il est fini. Et du coup, je me dis que je peux mettre de la neige structurée. Ça posera pas de problème dans ce livre puisque c'est déjà fait. Et ce serait cool d'utiliser de la neige pailletée, sachant que j'ai fait de la neige. J'aimerais bien. Je vais voir comment je vais faire. Mais là, pour l'instant, je laisse vraiment sécher. Au niveau des finitions, il faudrait que je fasse le petit fil aussi. Mais en gros, il me reste juste la neige à fignoler, faire le petit fil et puis c'est fini quoi. Voilà mon petit duo avec Aurore. J'adore. C'est vraiment le color détente dans ce livre. Et puis j'ai oublié de vous dire, pour le côté bleu de la neige, j'ai utilisé ma palette Sakura Koi qui est juste là. C'est tout pour l'instant. Après là, je pense que je vais peut-être faire du DP. Il faut vraiment que je l'avance. Ça y est, j'ai fini et j'ai rajouté de la neige. J'aime bien, j'aime bien. Bon là, c'est pas encore sec. Donc si je mets le doigt, j'ai un peu de neige qui vient. Mais une fois sec, ça va. Il y en aura moins, j'en aurai moins qui s'enlèverait. Donc j'enlèverai ce qu'il y aura en trop. Mais de toute façon, moi après, je protège tout le temps mes colos avec un papier. Mais je suis bien contente de l'effet. Et j'espère que vous verrez que ça brille. Je vous le montre maintenant parce que pour la vidéo des colos terminés, je suis pas sûre que vous le verrez. Et vous voyez, ça fait quand même un joli effet neige. Moi, j'aime bien. Donc, d'abord, j'ai mis du blanc de ma Colorex. Alors, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais il me reste juste un fond. Mais genre, vraiment rien du tout, genre ça. Et c'est devenu hyper gluant, on dirait de la bave d'escargot. Il faudrait vraiment que j'en rachète un autre parce qu'il me reste qu'un fond de Winsor & Newton aussi. Et pour la neige, j'ai utilisé celle-ci de chez Rayer. J'ai pris celle-ci plutôt que celle de chez Action parce que celle-ci se voit plus et il y a plus de paillettes. Et dans ce genre de livre-là,
C'était plus, c'est quelque chose de plus costaud, donc c'est un livre plus costaud qui peut prendre plus les produits comme ça. Donc j'en ai profité. Et puis l'autre pour la action, je l'utiliserai peut-être plus dans mes livres Amazon ou que sais-je. Mais je suis bien contente d'avoir terminé ce colo, ça m'a fait trop plaisir de retourner dans ce livre. On est le mercredi 21 et on se retrouve, j'ai commencé la base. Dans le Spooky Town, voilà, je m'y suis mise tout de suite parce que je voulais faire un colo tranquille. Et j'ai donc commencé surtout avec mes feutres que j'aimerais terminer et puis ceux-là aussi, les neutres. J'ai essayé de garder la même couleur pour ce personnage-là, pour celui-là aussi. J'avais déjà fait les cheveux, elle n'était pas habillée, donc j'ai fait du violet. Et là, pour la barbe, j'ai voulu changer la couleur, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Et je vais le faire au feutre alcool en base et ombré à l'aquarelle. Donc pour l'instant, je m'amuse bien. Je voulais quelque chose de vraiment hyper chill, hyper tranquille. Et puis je vous ai pas montré, mais je vous montrerai en fin de semaine, j'ai énormément avancé sur mon DP. Donc ce soir, c'est colo tranquille. Ça y est, j'ai fini la base au feutre. J'ai fait des ombres directement sur la nappe et les assiettes parce que je me suis dit que j'allais y laisser blanc. Donc ça, j'ai fait au feutre alcool. Enfin, j'ai tout fait au feutre alcool pour le coup, mais je reviendrai sûrement pas à l'aquarelle pour tout ce qui est blanc puisque c'est déjà fait. D'ailleurs, là, je vois que j'ai oublié un endroit. Et voilà, j'ai fait assez coloré. Je me suis représentée dans mon personnage d'Animal Crossing, c'est une petite fille avec la peau bleue. Là, je l'ai faite un peu plus verte, mais j'aime bien. Je me suis représentée dans mon jeu, tout simplement. Ça m'a bien. J'adore, c'est trop détente. Ces livres de colo, c'est trop bien. Et ça va être mon cinquième coloriage dans ce livre. Je suis trop contente. Et j'ai oublié de vous dire aussi, pour mon coloriage en commun de décembre, donc pour les souris et les branches. J'ai quasiment tout fini. Donc j'ai fini les ornements. Et là, il faut juste que je reprenne au crayon vert très 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 foncé les branches et au jelly roll blanc les souris pour jeudi. Donc voilà, entre ce soir et demain, j'ai des petits détails à reprendre. Comme ça, demain en live, on termine le fond ensemble au pastel sec. Et le colo sera fini. J'aurais vraiment mis énormément de temps à faire ce colo, n'empêche. Pourtant, il n'y a pas tant de choses à faire sur ce colo. Mais c'est que j'ai essayé de travailler mes textures, c'est pour ça. Mais enfin, bon, ça m'a pris du temps, mais c'est fait. J'en vois enfin le bout et après, je pourrais totalement me consacrer au colo d'Avatar pour le coup. On est samedi 24 et on se retrouve. J'ai super bien avancé. Donc déjà, je voulais vous parler de la page à faire pour janvier, pour le coloriage Harry Potter de Didier Alexandra, ce sera cette page. Et c'est celle-ci que j'ai votée, je suis trop contente. Je vais vraiment essayer de faire en sorte que le personnage y ressorte. Comme d'habitude, j'essaierai de faire au plus réaliste. Par contre, j'ai pas encore d'idée pour la bordure, je sais pas. Je vais peut-être la cacher parce qu'il y a des bestioles bizarres là. Et je me vois pas tout refaire au crayon comme d'habitude. Je vais sûrement sortir l'aquarelle ou mettre du gesso noir et refaire des choses par-dessus. Mais ça, je suis trop contente de faire cette page, vraiment. Bon, j'ai encore celle de la forêt à faire pour décembre. Hier, on était en live, donc on a grave avancé dans le cheval d'Avatar, dans le Imagimorphia. J'ai fini tout le coup. Donc tout le coup, enfin, il est fait et tout en mode Avatar. Et le prochain live, donc ce sera mardi, puisque c'est les fêtes. Et donc le mardi, on va faire la gueule. Ouais, la gueule, comme ça on continue le cheval, puis après il me restera la végétation. Donc je suis trop 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 contente. Et celui-ci, je le fais au Prismacolor et j'ai utilisé un seul crayon Holbein pour l'instant. Parce que dans les Holbein, il y a aussi des couleurs très foncées. Hein. J'aurais pu utiliser les Lightfast, mais les Lightfast, je venais de les utiliser pour le colon en commun. Donc ouais, je suis trop contente de faire un truc avatar et vraiment attendez-vous à ce que j'en fasse d'autres, plutôt des portraits pour l'année prochaine en mode Sarah Richter, ce serait trop 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 bien. Et puis j'ai avancé dans mon livre Coloria, vous savez c'est le livre que j'essaye de terminer, je vais vous montrer la couverture. C'est le Mandala's Night volume 2 comme ceci.
Et de base, il me restait trois coloriages à faire. Donc, j'ai rattrapé un colo du mois dernier, j'ai fait celui-ci. Et il m'en restera encore deux à faire pour terminer le livre. Et je vais essayer de carburer ces jours-ci pour terminer ce livre-là au brush marker. Donc, ils sont dans ma trousse là, toujours la même. J'ai utilisé que des brush markers, donc de chez Action. J'ai fait que de la plate couleur. J'ai utilisé un Sharpie noir pour faire le noir entre les cases ici. Et au milieu, j'ai mis des paillettes. Alors les paillettes, j'ai utilisé celles-ci, les paillettes d'écolier. Et par-dessus, j'ai mis des paillettes, des très vieilles paillettes que j'avais en petite bouteille comme ça. Et c'est des paillettes qui ont des formes. Moi, j'ai mis les dorées. Et je trouve que ça va super bien. Je trouve qu'on les voit bien. Ça colle hyper bien avec la colle à paillettes en plus. Donc vous mettez votre colle à paillettes et par-dessus, tu mets quelques paillettes avec l'aide de l'embout, de la colle, tu colles des paillettes comme si tu faisais du DP en fait. Voilà, et ça colle super bien, je suis ravie, j'avais peur que ça parte dans tous les sens et ah, je suis contente parce que je pourrais utiliser ces paillettes. Moi, je suis pas trop paillettes libres de base parce que ça s'envole partout, je suis pas douée. Et là, c'est des grosses paillettes bien plates, c'est comme des sequins en fait. Et ça va trop bien. Et j'ai mis un tout petit peu de métallisé argenté avec les twin markers comme ça que je vous recommande pas. Ouais, je suis pas trop fan. En plus, comme je vous ai dit, les bouchons ne se ferment pas. Donc ça, bof. Non, non, non. Mais voilà, ça m'en fait un en moins et bah, il m'en reste deux. Donc ça, je suis trop contente. On est lundi 26, on se retrouve après les fêtes. Je voulais d'abord vous montrer l'avancée de mon DP que j'aurais dû terminer pour Noël. Il n'est pas tout à fait fini. Donc de ce côté-là, voilà, je suis allée jusqu'après le Père Noël. En dessous également, c'est fait. C'est fait jusque là à peu près. Voilà. Juste en dessous de ma main. Donc voilà, il me reste le rond qu'il y a ici. J'espère que vous pourrez voir. Et tout à droite aussi, c'est fait. Donc j'en ai bien fait hier soir. Hein. J'ai bien remonté ma ligne. Là, je suis contente. Donc je vais continuer. Je voulais aussi vous montrer ben, ce que j'ai eu comme cadeau pour Noël. J'ai donc eu les 28 Lightfast qu'il me manquait. Donc je suis trop contente. Il va falloir que je fasse le nuancier Rapidos. Voilà, je suis ravie. Vraiment, j'ai été gâtée. Donc je suis trop contente. J'ai la gamme complète. Et ça, c'est un truc que j'attendais depuis un an d'avoir de la gamme complète. Donc enfin, j'ai les crayons. Et puis aujourd'hui, j'ai fait journée entre filles. C'était génial. Et je me suis trouvé deux autres pops, vous savez, de la collection Holiday de Harry Potter. J'ai pris Hermione et Hagrid. Faites bien attention quand vous les achetez de regarder qu'elles aient pas de poc ou de coups de peinture parce que moi il n'y avait que deux Hagrid. Et heureusement qu'il y en avait une autre parce que celle-ci c'était la plus jolie. L'autre elle avait une marque sur le front. Et je suis trop contente. Donc c'est la collection Holiday. Donc Hagrid y tient un sapin. Et Hermione, elle tient un paquet cadeau. Et vous savez, si vous avez vu déjà mes autres vlogs, j'ai Harry qui tient une boule de Noël. Et j'ai Ron qui tient une papillote, un cracker dans les mains. Il me manque plus que Dumbledore pour avoir la collection complète. Donc je sais pas. Alors Dumbledore, je l'ai pas trouvé en magasin. Et sur Amazon, il a un peu augmenté, donc je sais pas, je verrai à l'occasion. Je suis pas encore allée dans ma galerie à moi, je suis pas allée dans ma ville encore à moi. Peut-être qu'il y est, je verrai, mais c'est pas pressé, c'est pas pressé. J'ai les quatre principales et je suis trop contente. Puis moi, vous savez, je les prends en porte-clés pour les mettre dans le sapin. Je suis trop contente de ces petits bidules. Je sais que on en parle des fois en live ou quoi. Et je sais qu'il y en a quelques-uns, vous aimez pas mal ce genre de choses, donc c'est pour ça que j'aime bien vous le partager aussi. Et puis, donc, je suis allée chez Action, il y avait des nouveautés, mais qui ne m'intéressaient pas. Mais les seules nouveautés qui m'intéressaient, c'était les aquamarqueurs, et j'ai pris un set bleu neutre, bleu marron, comme ça. Des aquamarqueurs en double embout. Et puis j'ai pris un set de teintes neutres. Comme d'habitude, j'aime bien les teintes neutres. Il y avait aussi des couleurs, mais je me suis dit que ça allait compléter ma gamme d'aquamarqueurs classiques. Parce que dans les classiques, moi j'ai pas vraiment de teintes neutres. Voilà, j'ai un rack et j'ai pas mal de couleurs.
Et je me suis dit que ça allait bien compléter. Donc je suis super contente et voilà. Sinon, ben, sans plus, hein, j'ai pas fait de gros craquage parce que bon, j'ai déjà beaucoup de choses. Mais j'espère que vous avez été gâtés. Et surtout, 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 n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu pour Noël et tout. Enfin, moi, je serais ravie, ravie, ravie de vous lire. Ça y est, je voulais vous montrer comment j'ai pu ranger mes nouveaux crayons. Et j'ai refait le nuancier. Alors moi, il faut savoir que j'avais l'ancienne boîte des 72. Donc, je voulais vous prévenir qu'il y a une teinte qui a changé de nom. Voilà, si jamais le Pale Pink. Donc l'ancien nom devient le Flesh Pink. Voilà. Et au niveau du nuancier, voilà les Light Fast. Alors j'ai pris le nuancier du Géant des Beaux-Arts, mais il n'est pas foufou parce que là on se retrouve avec des teintes claires. Il y a un beige en plein milieu, des verts. Enfin bref, c'est pas hyper bien rangé. Je pense qu'il faudrait prendre celui des Light Fast. Je ne sais pas si c'est le même. Mais voilà, toutes les teintes. Ensuite, là, il y a un endroit où je me suis trompée, c'est après. Mais je suis bien contente parce que on a des teintes, on a quelques teintes vibrantes, hein, comme un orange pétant, un rouge pétant. Mais c'est surtout, et vous me direz pour ceux qui ont les Light Fast, mais moi je trouve que c'est beaucoup de teintes qui ont une sous-teinte neutre. C'est pas que des couleurs hyper vibrantes. Comme peuvent l'être d'autres crayons. Notamment dans cette trousse, j'ai les Brut Funeur. Je les trouve pour des crayons de moyenne qualité et petite qualité. On a souvent des couleurs très 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 vibrantes. Et là, c'est vraiment neutralisé, je trouve. Là, je me suis plantée. Mais n'empêche que les crayons, le Ocean Blue et le Ocean Blue Dark, ouais, pour moi, c'est un peu les mêmes. Il y a. Ça m'a créé des doublons, je vous avouerai, avec les 28. Je trouve que des fois, vraiment, la différence, elle est minime. Mais bon, au moins, j'ai la gamme complète. Là, vous voyez, j'ai un beige en plein milieu. Donc, c'est peut-être pas le meilleur nuancier que celui du Géant des Beaux-Arts. Mais je suis vraiment hyper contente. Le raisin est trop beau. Il y a vraiment des teintes comme ça qui me plaisent beaucoup. Le Autumn Brown. Vous voyez le Oyster, c'est un violet rose très 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 clair et il se retrouve au milieu des gris si je prends ce nuancier là, mais c'est pas grave. Voilà, pareil, les teintes à la fin là, faut y penser, hein. Ils mettent Gold, Platinum et Light Bronze, il faut y penser qu'on peut les utiliser avec des ocres, avec des argentés, enfin voilà. Il va falloir que je m'habitue à ce nuancier, mais sinon je suis hyper contente. Donc là j'ai l'ancien nuancier qui était celui des Light Fast, bah, qui était celui dans lequel enfin, c'était rangé comme ça dans la boîte. Mais ouais, je suis trop contente. Donc je vais plus les utiliser parce que maintenant que je sais que j'ai la gamme complète, je vais plus les utiliser. Enfin, dans ma tête, je vais plus les prendre. Donc là, ça m'en fait 100. Je les ai mis dans une trousse qui avait déjà les 180 Brut Funeur en fait. J'avais déjà une trousse comme ça de 200. Donc j'ai pu les caser uniquement dans cette trousse. Les autres sont trop complètes. Voilà les Light Fast. Je suis ravie. Là, je les ai décalés. Ici, il n'y a rien. Je les ai décalés. C'est pour que ce soit plus simple d'utilisation. Ça m'étonnerait qu'un jour je complète. Quoi que ce soit, donc autant que ce soit mis de façon plus simple, si jamais je peux les pousser. Je suis ravie de ces crayons, on en reparlera quand je les utiliserai. On est le jeudi 29, on se retrouve après le live de mardi. Donc mardi en live, on a commencé la gueule du cheval d'Avatar et ça avance super bien. Je suis super contente. Aujourd'hui en live, donc on est jeudi, donc je compte terminer la gueule et je compte commencer le fond à l'aquarelle. Éventuellement faire des choses par-dessus au crayon, je ne sais pas. Mais faire une bonne base d'aquarelle pour le fond, ce serait juste génial. Et puis terminer le cheval en lui-même, ce serait trop cool. Il me restera que la fougère qu'il y a sur sa crinière, enfin en guise de crinière, et ce serait top. Entre les lives, j'ai terminé enfin mon DP, donc il est tout fini. J'ai laissé le plastique dessus pour protéger de la poussière et puis j'achèterai un cadre pour que ce soit super joli. Si je peux trouver un cadre blanc, ce serait bien, sinon je le prendrais noir.
Et ça, je le prendrai à Action. Je suis sûre que je peux en trouver. C'est un, voilà, un 30 par 40. Enfin, je vais remesurer au cas où, mais voilà, ce serait cool. Donc, ça, j'ai vraiment carburé. Ça m'a pris des millions d'années, mais c'est enfin fini. Et puis, je suis allée faire des courses. Voilà, je suis allée faire des courses et j'ai trouvé le set de fèves Harry Potter et les animaux fantastiques à Super U, si ça vous intéresse. Donc le mien, il se présente comme ça. Après, j'ai vu sur le catalogue, ils en montrent un autre qui est présenté autrement. Mais moi, j'aime bien celui-ci. Puis il y a des personnages que j'ai pas du tout en pop ou quoi. Enfin, j'adore, j'adore. J'aime bien les fèves parce que ça prend pas de place. Quand on aime bien un petit peu collectionner, ça prend pas de place. C'est ça qui est cool. Et puis, je voulais absolument, vous savez, la pop Dumbledore, enfin la Funko Pop en keychain, en porte-clés, de l'édition spéciale de Noël pour compléter ma collection de Noël. Comme vous avez vu, là, les petites porte-clés, m'en manque plus qu'une. Impossible de la trouver. J'ai fait tous les magasins autour de chez moi. Impossible, ils l'ont pas du tout. Donc, faudrait peut-être que je commande sur Internet. Ça m'ennuie un peu parce que les frais de port, c'est le prix de la pop. Enfin, le prix du porte-clés, ça m'ennuie un peu. Mais comme lot de consolation, j'ai trouvé celle de Ron qui a eu le sortilège du Crash Limace. Voilà, donc j'adore. Je l'avais pas en grande. Je l'avais qu'en porte-clés que vous avez vu il n'y a pas longtemps pour l'édition spéciale. Et celle-ci, je l'ai trouvée à l'espace culturel Leclerc. Il en restait plus que deux. Il y en avait une, la boîte, elle était défoncée. Et dans ses cheveux, il y avait un gros trait noir. Donc faites attention quand vous achetez les pop à regarder la figurine à l'intérieur, même si on ne peut pas ouvrir. D'un coup d'œil comme ça, des fois, on trouve qu'il y a des défauts. Et je suis trop contente parce que ouais, j'avais pas encore ce personnage dans une situation qui me fait trop rire. Je suis trop contente d'avoir cette version-là de Ron et pas une autre. Et sinon, en super sympa, il y avait aussi Neville avec les vêtements un peu déchirés et le livre des monstres dans la main qui était trop sympa. Mais bon, c'est un personnage un peu plus secondaire. Moi, j'avais pas encore tous les persos principaux. Bah, maintenant, j'ai Harry, Ron et Ginny, j'ai pas encore Hermione, voilà, pour Harry Potter, et les animaux fantastiques, j'ai Norbert et Piquette. Voilà, donc je suis trop contente, ça m'en fait ma sixième pop Harry Potter, les animaux fantastiques confondus. Je suis trop contente, et dans cette collection, si vous voulez voir, il y a celle-là. Ouais, il y a Hermione avec la plume qui vole, bof. Ouais, Harry avec la cape d'invisibilité, bah voilà, ça c'est la collection, c'est celle que j'ai vue Neuville. Neville avec le livre et puis Drago avec l'araignée, ouais, c'est sympa. Voilà. Dites-moi si vous aimez les pop vous aussi, n'hésitez pas à me dire si vous en faites la collection. Moi, je suis pas une grande grande collectionneuse, mais j'aime bien voir la pop qui me fait craquer, la pop coup de cœur. J'en ai pas beaucoup, mais toutes celles que j'ai, je les adore. On est samedi 31, on se retrouve en ce dernier jour de l'année. En live, je crois qu'on s'était quitté, on a fait deux lives, je sais plus. Bon, on a continué le cheval d'Avatar, donc le cou est fait, la gueule est finie. J'ai commencé la crinière aux couleurs de la forêt dans la nuit d'Avatar et j'ai fait le fond à l'aquarelle. Donc il me reste en gros ben, plus que les doodles à faire, mais il y en a énormément. Je pense que je vais faire quatre combos de couleurs différentes. Donc un dans les tons bleus, un dans les tons roses, un dans les tons verts et un autre que je ferai, je ne l'ai pas encore fait, celui-là dans les tons violets. Et j'utilise beaucoup les Holbein parce qu'ils sont très très pigmentés et les couleurs vont très très bien pour des coloriages phosphorescents, fluorescents dans la nuit comme vous connaissez l'univers d'Avatar. Et vraiment merci du fond du cœur à ceux qui me soutiennent, qui viennent en live me soutenir parce que c'est fou, c'est fou, c'est rempli de détails. Sincèrement, depuis le Harry et Voldemort, celui-ci, c'est sans conteste celui qui est vraiment très très dur aussi que j'ai fait récemment. Donc je suis très contente de terminer cette fin d'année en faisant un avatar dans mon Imagimorphia. C'est donc la 48e et 49e page. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment ravie.
Je suis vraiment contente. Et puis donc, hors live aujourd'hui, voilà, on est samedi, j'ai terminé enfin les ombres à l'aquarelle Boku Undo. Je vais vous montrer. C'est cette palette d'aquarelle-là. Elle est hyper, super, méga pigmentée. Je l'adore. Je suis trop contente parce que il y en a, vous l'avez reçue pour Noël en cadeau et vous m'en direz des nouvelles, mais je l'aime trop. En plus, avec ça, on peut ombrer toutes les couleurs. Voilà. Simplement, il faut ça enfoncer. Tu as du rouge, du jaune, du vert, du bleu, du violet et du marron foncé. Et tu peux tout ombrer une page de Spooky. Tranquille, les doigts dans le nez. J'ai rajouté des paillettes, des stylos gel Pentel à double couleur dans les yeux, un peu partout. J'ai mis des confettis sur les gâteaux. Je me suis trop amusée à faire ce colo. Donc voilà. Toujours un plaisir vraiment de suivre ton challenge, Alexandra. J'adore. Et par la suite, je me suis donc prévue de terminer mon livre de coloria. Voilà ce que j'ai prévu pour ce soir. Si j'ai envie de colorier, ce sera ce mandala ici et un autre qui est un peu plus détaillé qui est à la fin du livre. Et ce livre sera terminé. J'espère vraiment le finir pour aujourd'hui. On se retrouve un peu plus tard et j'ai terminé mon avant-dernier coloriage dans ce livre. Je suis trop contente. J'ai donc tout fait au brush marker de chez Action. Ils sont ici. Pour le côté argenté, c'est le Craft Sensation, c'est un feutre métallique. Voilà, ça va très bien. Franchement, j'aime bien ces petits feutres-là. Au milieu, j'ai mis des paillettes d'écolier. Et par-dessus, j'ai mis des petites paillettes en forme de cœur, comme ça tient super bien. La dernière fois, avec les sequins, ça a tenu trop bien. Donc, je vais refaire pareil. J'aime trop. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Le problème, c'est que voilà, je peux pas faire le dernier tant que ça, c'est pas sec. Mais je vais voir ce que je vais faire. Là, on a eu la page pour le Spooky Girl d'Alexandra. Je vais vous montrer. Donc, pour le Spooky Girl, dans ce livre-là de Coco Wayo, on aura à faire 7 pages pour la première quinzaine de janvier. Et je suis très contente. Elle est parfaite. J'avais pas voté pour celle-là. Moi, j'avais voté pour une autre. Mais c'est vraiment pas grave. Donc je vais très vite faire les bases. Ouais, j'aime trop. Elle est simple. Elle m'a pas l'air super compliquée. Je pense que je vais, comme d'hab, la faire au feutre alcool en base et ombrer à l'aquarelle Boku Undo. Ça va être le top. On se retrouve bien plus tard, toujours la même journée. Il est extrêmement tard. On est peut-être même dans la nuit. Et puis, ben, le colloque que je vous ai montré tout à l'heure, il est fait. J'avais pas du tout prévu ça, mais vraiment pas du tout. Écoutez, j'avais le matos à côté de moi. J'ai donc fait une base de feutre alcool pour tout le centre. C'est une base de feutre alcool ombré à l'aquarelle. Pour la couleur fluo, c'est ma palette Grabi qui est ici. Et les ombres, c'est beaucoup ma Boku Undo. Sauf la couleur pétante du vert et la couleur du bleu, c'est dans ma palette Grabi. Donc j'ai utilisé vraiment ces deux palettes-là pour ombrer tout ça. Pour le contour, vous voyez, il y a du vert un peu nacré avec des effets de matière. C'est ma peinture Prisme. Et j'adore, vous savez, ce genre de peinture à effet. Donc j'ai appliqué ça comme d'habitude avec mon pinceau silicone. Voilà, un truc plat. C'est beaucoup plus pratique et j'ai mis des paillettes genre partout avec du charpie noir aussi. Donc le charpie noir, comme ça au final, je le trouve super utile parce que ça évite d'utiliser les feutres à alcool noirs qui s'usent très vite. Au final, ça que je trouvais pas très utile parce que ça traversait. Pour le coup, pour les spookies, ça va super bien et au contraire, maintenant je me suis habituée à l'avoir tout le temps sous la main. Donc j'en ai mis partout pour faire les yeux, les sourcils, dans les squelettes. Et j'ai mis des paillettes partout, dans les yeux, dans les fleurs. J'en ai même mis, souvent je mets de la peinture, vous savez, Glow in the Dark de chez UHU. J'ai mis des paillettes en vernis, comme ceci, dans les squelettes. Voilà, faut attendre que ça sèche maintenant. Je viens juste de le terminer. Là, j'ai mis du stickles. Ça brille de partout. Bah écoutez, je suis super contente d'avoir fait ce colo-là maintenant. On est le dimanche 1er janvier, on se retrouve et j'ai terminé mon quatrième livre. Je suis trop contente. Donc j'ai fait comme le précédent. J'ai fait une base de brush marker et je suis venue mettre du métallique avec les feutres Craft Sensation comme ça.
au milieu des paillettes, des colliers comme ça, et puis des sequins dorés comme ça au centre. Et tout en simplicité, je suis trop contente, donc il est fini. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que il faut que je fasse ce marque-page là, et je vous fais la vidéo avec les marque-pages Disney, les marque-pages Clara Markova et ce livre là de terminé. Alors dans ce livre là par contre, vous verrez que 29 coloriages sur les 30, parce qu'il y en a un, et vous l'avez vu dans les vlogs, que j'avais fait avec de l'encre à alcool et que j'ai dû enlever du livre parce que ça débordait partout, ça transperçait partout. Et je voulais vraiment préserver mon livre. Sinon, j'enlève vraiment jamais les coloriages de mes livres. Voilà. Et puis, ben ouais, il faudrait que je fasse celui-ci. Et puis, concernant le nouveau livre, c'est vraiment pas d'actualité pour que je me le prenne. Donc, dans tous les cas, je vais faire ce marque-page-là quand j'aurai le temps. Il va faire partie de ma pack pour janvier, c'est sûr. Et je vous ferai la vidéo en suivant. Ce que je prévois aussi, c'est de vous faire une vidéo sur l'avancée du Imagimorphia et l'avancée de mon livre Harry Potter. Parce que ça, c'est quelque chose que je vais faire chaque année. Donc vous avez déjà une vidéo l'année dernière. Et cette année, ça doit tomber maintenant au mois de janvier. Donc ça va être super chouette. J'ai hâte de vous montrer. Là, par contre, ce qu'il faut que je fasse plutôt rapidement, donc pour la suite, j'ai prévu de continuer dans mon Nice Little Town Christmas 2. C'est un coloriage, en fait, que j'avais commencé en live, mais j'aurais pas du tout le temps de le continuer avec vous en live. Donc on avait fait ça ensemble et il faut que je le termine moi-même de mon côté avec vous en vlog tout simplement. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais continuer comme j'ai commencé, c'est-à-dire que j'ai sorti tous mes crayons aquarellables de petites marques, les Gold Faber Aqua, les Watercolor de Derwent, éventuellement les Graphite Tint et tout ça au crayon aquarellable en mode détente. Et ça me fera mon cinquième coloriage dans ce livre, dans le Nice Little Town. Comme ça, il avance bien ce livre-là. À égalité, il avance bien avec un autre. Et je suis vraiment contente de refaire du Tatiana encore. Et voilà, un petit colo chill, tranquille, pour un peu continuer dans mes livres Amazon. Parce que j'adore mes livres Amazon. Et on est bien là plutôt, on est vraiment bien. On se retrouve, on est le lundi 2 janvier et je voulais vous montrer les nouveautés que je trouve intéressantes. J'en ai trouvé d'autres, mais je vous laisserai regarder par vous-même. C'est des livres Amazon, comme d'habitude, qui sont très 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 mignons. Mais là, comme je vais vous parler de beaucoup de choses, je voulais pas trop que ça dure trop longtemps. Donc je vous laisserai aller voir ça en barre d'infos par vous-même. Je voulais commencer sur le site de Radost. J'ai trouvé cette nouvelle palette de White Nights avec des teintes granulation foncée. Elle est trop jolie. Les teintes comme ça, un peu galaxie, et le côté granulation avec un effet de texture, ça doit être trop beau. Elle est à 22,68€. Je crois que sur ce site, les frais de livraison sont entre 10 et 15€. Je ne sais pas encore où est-ce qu'on peut trouver ailleurs cette palette-là, mais franchement, elle est trop jolie. Donc à voir sur les sites d'aquarelle français. Sur Amazon, je ne l'ai pas encore trouvée. Et c'est vrai que du White Nights sur Amazon, il n'y en a pas énormément encore, mais elle est fantastique. Ensuite, je voulais vous remontrer cette palette parce qu'elle est en promotion. Il y a une vente flash. Alors, je ne sais pas jusqu'à quand dure la vente flash. Je n'ai pas d'infos. J'espère qu'elle est encore au moins dispo demain, le jour de publication. Mais voilà, la palette avec des couleurs caméléon de Artistro, caméléon et métallique, est à 27€ au lieu de 32€. Ensuite, on va parler nouveauté livre. Alors, va sortir le grand classique le 4 janvier, donc 2 jours après la publication de cette vidéo. Qu'est-ce que vous allez craquer? Moi, je pense pas craquer, même s'il y en a qui sont super beaux comme nouveauté. Donc ça, c'est le grand classique en format grand carré de chez Hachette. Je crois que c'est celui que je trouve le plus beau dans toutes les sorties qu'il va y avoir. Mais comme d'habitude, je vais être très difficile et je me dis que c'est trop détaillé pour moi. Ouais. Mais les scènes sont très très belles. Basile et détective privé,
Ce grand classique-là, c'est vraiment une très 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 jolie sortie. Donc celui-ci, vous l'avez déjà en barre d'infos. Au niveau des blocs, je les trouve beaucoup plus jolis finalement aussi que les grands carrés, les autres grands carrés. Le en famille, moi je l'ai déjà en grand. Mais sincèrement, si je ne l'avais pas eu en grand, je crois que j'aurais craqué pour la version petite. Parce que ben, ça fait des zones tout à fait correctes à colorier. Des fois en petits blocs, c'est beaucoup mieux. Donc va sortir aussi le en famille. En mystère, on aura le Love Stories. Alors je ne vais pas vous montrer les exemples pour ne pas spoiler ceux qui ne voudraient pas trop voir. Celui-ci, je trouve qu'il est dans un thème déjà qui ne me correspond pas. Donc celui-ci, c'est sûr, je ne vais pas craquer. Et je crois qu'au niveau des détails, ce sera trop détaillé pour moi. Donc, par contre, la couverture est vraiment très très belle. Un autre petit bloc, le hiver. Alors celui-ci, c'est vraiment... Donc les petits blocs, vous savez, à chaque fois, c'est des rééditions de grands blocs. Ça fait un peu plus ancien bloc. Mais ce que j'aimais dans les anciens blocs comme ça, c'est que la taille de l'illustration est tout à fait correcte. Celle-ci, j'aime beaucoup. Donc voilà, va sortir également le hiver, le portrait. Alors le portrait en grand carré, les illus sont sympathiques. Le seul truc là, pour le coup, c'est l'inverse. Je trouve que ce serait de trop grandes zones à colorier. Voilà. Et puis faire un aplat de couleurs tout smooth et tout, c'est trop répétitif. Moi, je m'embête pas trop des fois dans les carrés. À refaire des effets de texture, prendre du temps pour les Disney, c'est pas pour moi. Donc je crois que celui-ci non plus n'est pas pour moi. Le trompe-l'œil, alors le trompe-l'œil, je crois qu'on m'avait dit qu'il serait peut-être pour moi tout ce qui est trompe-l'œil parce qu'il me semble qu'il y a moins de couleurs que dans les classiques. Donc je le trouve très sympa. J'ai vu les solutions, elles sont très 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 jolies. J'aime beaucoup. Donc à réfléchir, mais. Voilà, ensuite de Daily Art Hour est sorti deux livres spooky. Et cette fois-ci, c'est la famille au grand complet. Donc le style est différent, bien évidemment, puisque ce ne sont pas les mêmes maisons d'édition. Je trouve ça super sympa. J'essaye de vous trouver des visuels. Voilà, enfin. Écoutez, je le trouve quand même sympathique. Voilà, ça change quand même un tout petit peu de ce qu'on a pu voir. Je sais, hein, ça reste dans le spooky qu'on a déjà vu, mais ah, je sais pas, moi je trouve ça sympa. Le gros line, pour le coup, ici, dans ce genre d'illustration, qui est un line épais, je trouve que ça va hyper bien avec le fait d'utiliser des feutres alcool. Et dans ce genre d'illustration, j'aime beaucoup. Contrairement au Disney, c'est vraiment bizarre. Parce que là, je me contredis en peu de temps, mais elle est trop belle. Franchement, ces illustrations sont trop belles. Donc, ils ont fait le volume 1 ici, et voilà le volume 2 qui est tout aussi sympathique. Je crois même que le 2 est vraiment plus sympa. Attendez, je vais vous montrer. J'adore cette image-là, elle est trop choupie. Petite fille sympathique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Ouais, portrait de famille. J'aime beaucoup le numéro 2. Je vais réfléchir, je vais réfléchir. Moi, je craque beaucoup plus facilement pour le coup pour les livres Amazon. Ensuite, on revient dans les Hachette. Il va sortir donc le Kawaii Dark. Celui-ci, je pense qu'il n'est pas pour moi parce que finalement, tu vois, cette petite sorcière, je la trouve sympathique. Mais le style. Je sais pas, le style de dessin, la façon de dessiner ne me parle pas plus que ça. C'est très joli, hein, ceci dit, et j'aurais vraiment plaisir à voir vos coloriages. Ensuite va sortir le oracle. Alors, le oracle, c'est comme pour. Je vais vous montrer. Donc, on a le oracle, le féminin sacré, et puis un autre, je ne sais plus lequel. Je trouve que ça manque de personnalité. Ça fait vraiment encore. Trop classique. C'est trop classique. Et puis en plus pour le féminin sacré, c'est trop comme les livres d'avant qu'on ne veut plus voir. Pareil, pour le espace, c'est un manque de personnalité, je trouve un petit peu. Ça manque de fantaisie, de. C'est trop carré. Je ne sais pas comment expliquer. Et enfin, on a donc le mystère fantaisie. Celui-ci. Ce que je trouve, c'est que, je sais pas, au niveau des couleurs, c'est assez
naturel. Voilà, je trouve que ça manque un peu de fun. J'ai préféré le fantastique, vous savez, qui était sorti il n'y a pas longtemps. J'ai préféré celui-ci. Et enfin, va sortir le Animaux de la forêt. Alors, je viens de découvrir qu'il y avait des exemples d'illustrations que j'avais encore jamais vues. Il est sympathique. Pour tous ceux qui ont aimé Diane Dufour, je pense que vous aimerez. Voilà. Celui-ci, par contre, il est beaucoup mieux que les autres. Après, moi, je craquerai pas. Donc ça, c'est pas Diane Dufour, c'est Caroline Haylen. Voilà. Il est vraiment sympathique. Voilà, voilà pour les nouveautés. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a des choses quand même. On se retrouve un peu plus tard et je voulais vous montrer l'avancée de mes colos. Donc j'ai bien avancé dans le Nice Little Town. Par contre, c'est pas encore aquarellé. Voilà. Donc tout ce qui a été fait en plus, il faudrait que je mette de l'eau. Mais je suis bien motivée là pour le terminer tout à l'heure. Enfin, le terminer peut-être pas parce qu'il y aura toutes les finitions à faire, mais au moins finir le crayon, ce serait super cool. Et puis j'ai un trio à faire avec La Fleurie et Tati dans le mystère tome 1. Voilà, on en est à la suite. Je me suis trompée ici, là. Donc faudrait que je mette un coup de feutre acrylique. Mais voilà, super contente d'avancer ce livre encore avec vous. Et je suis ravie, maintenant on va le faire en trio avec La Fleurie, ce sera super chouette. Et celui-ci, il avance trop bien. Bah écoutez, voilà pour ces 2 semaines au final de coloriage. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite une très belle année 2023 et on se dit à mardi prochain. Ciao!